Muito bem, meus amados, queiram sentar-se, por gentileza. A todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos
para celebrar o casamento dos nossos queridos irmãos haitianos, a irmã Aline e o irmão Francis. E diante de Deus, querem realizar esta aliança entre Deus e o homem, como a Bíblia diz, através do casamento, tornando então uma só pessoa, um só homem, uma só mulher. Vão se unir através do laço do matrimônio aqui esta noite. Lembrando aos irmãos e à igreja, aos amigos, que o casal já contraiu o seu casamento no estado civil no dia 16 do mês passado. Amém? Estou de posse da cópia de certidão do casamento deles, senão não estaria realizando o casamento propriamente dito. Amém? Eu quero convidá-los, o casal de noivo, estejam parados para mim. Vamos ver se eles entenderam. Amém. Glória a Deus. Só um minuto, só enquanto as testemunhas ficam perante a igreja. Só quero conversar algumas coisas com os irmãos. Vou falar em português, se vocês não entenderem, amém. Se entenderem, a Maline já está mais, depois ela transmite por irmão, amém? Muito bem, queridos. Essa posição em que vocês tomaram, igreja, a posição em que esse casal tomaram de contrair o laço do matrimônio perante Deus, perante a igreja, é um matrimônio louvável. Você vai me perguntar, pastor, mas o do civil não vale? Vale sim. Mas perante Deus, esta união, perante Deus, ela é sagrada. E a Bíblia diz que até que a morte os separe. Esta é a razão desta união, desse matrimônio. Porque Deus é bem claro, até que a morte os separe. Eu quero ler aqui no capítulo 18, 2, capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, está escrito assim: e disse o Senhor Deus, não é bom, entende? Não é bom que o homem esteja solito, só um, não. Mas que, e ele diz, far-lhe-ei, eu farei uma, mais uma, adjutora, uma companheira, para que esteja ao seu lado para sempre. É isso que Deus quer de vocês. Mas quando eu olho, queridos irmãos, para Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 19, livro de Mateus, no capítulo 19, que vamos ler para os irmãos, algo importante, Mateus capítulo 19, diz, Jesus falando, ele disse que o divórcio, a separação do casamento, a divisão do casamento, só é permitido uma situação só. Ou uma. Vocês querem saber? Está todo mundo curioso. Falando assim, irmãos, esse tipo, que é para eles entenderem, tem muitos haitianos aqui parentes que não entendem a língua. Nossa, não é isso? Ela entende mais. A separação do casal após o casamento, Jesus, só é através de uma coisa, só através do adultério. Entenderam? Dessa feita, a Bíblia diz só até que a morte os separe. A Bíblia dá direito para o divórcio. Fora disso, não. Muita gente fazendo tudo ao contrário hoje. Caso hoje, amanhã já vão no juiz, já separam, parece que não tem nada a ver, mas a palavra de Deus é bem clara. E o voto que vocês vão fazer aqui esta noite está escrito diante de Deus. Amém? Sendo assim, só essas palavras para que os irmãos venham entender, e também aos presentes e aos noivos que estão, as testemunhas que estão aqui, eu quero perguntar
A irmã Aline, eu vou passar o microfone para a irmã Aline. Sim, Aline. Você vai responder com o microfone, depois você passa para ele. Eu vou falar e você vai repetir, se você entender. Eu Aline, recebo você, Francis, como meu legítimo esposo. Prometo amar-te, ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e todos os dias das nossas vidas. Olha para ele. Amém. Agora passa o microfone para ele. Francis, olha para ela e vai falando para ela. Eu vou falando e você repete para ela. Eu, Francis, vai olhando para ela. Isso, mira para ela. Mira. Isso, assim. Fica melhor. O seu fotógrafo toma posição ali. Eu, Francis, recebo-te. Como minha esposa. Prometo ser fiel. Amar-te. Respeitar-te. Na alegria. Na tristeza. Na saúde. E na doença. Em todos os dias das nossas vidas. Os irmãos viram por que estou falando devagar? Para que eles entendam. Amém? Amém? Aleluia. Glorificado seja Deus. Muito bem. Agora eu quero que as crianças, perante a igreja, perante as câmaras, você diga para a sua futura esposa, a sua esposa, Maline, você aceita ser minha esposa? Pergunta para ela. Mira nela. Hã? Mira para ela, é. Você aceita ser minha esposa? Então coloca a aliança na mão dela. Isto. Vamos fazer de uma maneira bem simples, irmãos, para que eles entendam e todos entendam. Agora, irmã Aline, pegue a sua aliança. Isto. E diga para o irmão Francis. Você aceita ser meu esposo? Diga para ele. Amém? Coloca agora a aliança no dedo dele. Amém? É assim mais ou menos lá no Haiti? Sim. É? Amém? Amém, irmãos? Agora, queridos irmãos, nós vamos... Não vamos aqui... falar mais alguma coisa, que toda a igreja conhece a vida de casado e a cerimônia a respeito do casamento. Eu quero fazer dessa forma mais simples, para que todos entendam e nós possamos ir mais cedo lá para recepcionar o casal. Amém? Vamos orar então, irmãos? Os irmãos me permitem aqui. Um pelinho, deixa eu descer até ali. Não precisa ajoelhar-se. Quero estar parado. Vire para cá. Coloque a sua mão assim. Assim. Eu falo, quero que isso para quem não vai ver. Amém? Oramos ao Senhor. Ame para mim agora. Vire para cá. Vire para mim. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, do meu amado e querido Espírito Santo, estamos aqui, ó Deus, realizando a cerimônia desse casamento desse casal lá do Haiti, Senhor. Estão aqui, ó Deus, congregando conosco, te servindo, meu Deus. Pai, com suas deficiências em entender a língua portuguesa. Mas nós estamos aqui realizando esse casamento, Deus, e orando agora
para que o Senhor venha abençoar as suas vidas a partir de agora. Que essa união diante de Deus e diante da igreja seja uma união, aleluia, permitida pelo Senhor, e que todos venham, ó Deus, ver os frutos desse casamento. Que através dessa união, filhos, venham estar com eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode... Como diz quem? Beijo. 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 Então repita para ele, para mim. Beijo. Você pode beijar na noiva. Não. É mais lindo, né? Mais lindo, né? Muito lindo. Mais lindo. Mais, 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 mais. Mais, mais. Beijo. Aí. Declaro marido e mulher, em nome de Jesus. Amém. Os cumprimentos da igreja. Amém? Amém. Estamos encerrando a cerimônia em nome de Jesus. Esse beijo, Thank you.
Les productions Daniel Tillus, pouillons l'autre fois encore dans le Brésil, Santa Catalina, Itajaï, a présenté Tan Le Bon Djebao. Tan Le Bon Djebao, c'est un film qui est écrit et qui est réalisé par Daniel Tillus, avec participation de Daniel Tillus, Eliane Verdieu, Jameson Saint-Ville, Ginette Paul, Enoch Beauséjour, Nicole Laurent, Inès Pierre, Mylène Metellus, Grégory Désir et autres. Lè ou fè yon chwa li pari isi, pi ga ou di, se bon jèk te ba ou, se ou mèm ki te chwazi. La Bib fè nou konen l'om chwazi sou aparans, men bon jèk li chwazi pa panse, pa reaksyon moun nan, nan fason moun nan kompote l. Mdou mè ba an ti manje kou mou? Lè mdou mou kontan la. Ta ba manje manje fòm fè? Ben la yon film ke ba ti manje. Ah, bon m sove. Oui, men lè m rive m pa fason la baji. Kèlè se reme yen men men, on ek tout lè di. Men kèlè son bon moun ye. Ki se ava vèm bien men on ek tout lè. Non. Ba reme yen men kòm nan sikonstans. M jè sikonstans nan avèk tempèramen tout ki se yon bon. Lè bon di ap ba ou, li ap ba ou yon moun ki ap reme yon. E lè ou pran yon moun ki pa reme yon, ou met bal tout sa ou posede ak sa ou pa menm posede, li pa chanm kompran nou. La tuye m pou kob li. Bon konnen koman Brezilye, pi pou di la tuye m pou kob li. Trave lon di an pou ala, ans dan yon seman ve moun pou mwen sin de katou vel. M pou te fwe kob mese sa ben, mese sa tro man ve an, ma ve an pil. Ok. Ma ve an. Et vous, papi? Oh, papi, merci beaucoup. Merci tout ça que vous faites moi-même. Merci. Oh, merci. Bientôt à l'écran. Chérie, je vais te faire ma voix là. Ya, yeah, ya. Yeah, ma et moi, toute photo. Comment fait que tu fais ça? Par contre, comment on fait tout le film? Tout simplement, on l'a affiché tout dans Mirai Kaye là. Va dire parce qu'il n'est pas commun. Est-ce vrai ou non? Donc, qu'est-ce que Frère Sony va dire? Il
n'est pas encore marié. Laisse-moi vous dire, comme disait l'apôtre Paul au peuple de Corinthe, comment l'homme charnel ou bien l'homme animal peut-on discerner les choses spirituelles? C'est-à-dire que la prédication, il ne dépend pas de l'homme, et la parole de l'homme, il dépend tout à fait de l'Esprit de Dieu. On ne doit pas prendre cette place pour dire bon, donc je vais prêcher, je vais méditer, donc je connais pas mal des choses, donc j'ai appris beaucoup à l'école. Non. La prédication n'a pas de suite. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas encore marié, mais quand même, puisque des fois Dieu nous a utilisés d'une manière peut-être très très simple, pour ne pas dire des fois ordinairement, donc je ne veux pas dire extraordinaire, parce que je veux pas faire excès de langage, mais quand même je pense que vous allez apprendre et certaines choses en ce qui concerne le mariage, le foyer, la famille, le frère Lionel, la sœur, comment? Viviane Tessa. Donc normalement c'est bien, c'est l'Esprit de Dieu. Normalement j'aimerais au juste cette assemblée. Le pourquoi? C'est parce que cette cérémonie, je ne dis pas que les autres cérémonies ne sont pas identiques, mais celle d'aujourd'hui, je me sens très bien aujourd'hui. Amen, l'Église. Donc, non, alors normalement, nous allons lire pour vous. Nous allons faire une courte lecture dans Genèse chapitre 2. Alors, plus précisément dans le verset 24, parce que la sœur Thomas venait de lire pour nous le chapitre 2. Je crois qu'elle a lu et pas mal de versets, mais quand même, moi, je vais lire avec vous. Plus précisément, spécifiquement dans le verset 24. Paraît-il que mon Dieu m'a dit, Genèse chapitre 2, le verset 24. Quel est mon Dieu m'a dit la Bible? Mon Dieu m'a dit dans le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Ce que bien-aimé non présent je dis à non ils ont élément pour ne pas dire ils ont entité qui existait dans la vie. Donc, c'est que la vie, il y a des éléments qui en donnent, mais cependant, on fait face aujourd'hui avec ça, il y a une entité dans la vie, c'est le mariage. Donc, on pense que, en pile monde, certaines fois, qu'a dit, en pile bagaille de ça, il y a le mariage. Qui t'aime dit peut-être, oui, alors quittez-moi, mais essayez d'ajouter peut-être yon bagay ou bien par rapport avec des définitions yon baya cérémonie ça, cérémonie que yon élément, mariage. Donc yon dit le mariage est l'union légale d'un homme et d'une femme. C'est l'union légale d'un homme et d'une femme. Selon Portalis, le mariage est la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour céder par des secours mutuels, apporter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai un élément de la vie, parce que en tant que définition, ça, il a montré que mariage a son entité. Et cependant, nous allons jouer pour nous dire le mariage, lycée, yon. Comme dit ça, c'est une union de deux personnes
qui a deux sectes opposées de sa Bible, Libanon. Premièrement, spirituellement, et deuxièmement, nous sommes capables sur le plan civil ou bien étatique. C'est-à-dire que ça fait me dire le plan spirituel avant, mais le plus souvent, on a toujours joué au fait civil, au fait. Donc, on a dans l'état, donc on a marié, et puis il finit par faire ça, il est parti spirituel. Et ça, c'est ça qui est le mariage. Donc, bien aimé, je pense que c'est un engagement que la Bible a mis accent sur lui. Il mettait accent selon le proverbe. Pour le bail, il y a deux grands engagements. Le grand engagement, ça y est, qui c'est le mariage et puis le baptême. Et ça, qu'elle fait, c'est un engagement sacré. Et on ne peut pas prendre comme ça sans pas réfléchir. Socialement, ouais, là, bon, et regardez mon jeune dans l'église là, et puis moi-même. Demain, si je dis, pasteur marié, n'est que venir dans la rue à là, mon jeune garçon, nos programmes, nos fêtes, ou bien venir dans la ville, venir mon monde campé là, pour me tomber, je vais dire, marié. C'est que la Bible a payé accent pour dire son engagement, pas qu'à prendre son pari fait. Et c'est des fois, nous, alors, on pense que l'église, ou bien, parce que l'église a fait ça, les chita avec yo, les dios, ça nous prend le là, c'est pas yon bagaille qui pire. Et ça qu'elle dit, sous pas capable, on met tout dit là. On va essayer de réunir tout le monde, ça y est, d'imbabler, tout quitter ça. D'imbabler. Et ça fait, non, ça m'on dit en ce qui concerne le mariage, en pile m'on dit, le mariage, c'est tout à fait yon bagay qui est bien heureux, qui est heureux. Et c'est pas dans mon mal plus loin. Lors entrer dans le mariage, il n'est pas bienheureux seulement. Est-ce que vous entendez ça, Mdia, des soeurs, des frères, Lionel? Ou quand même, vous êtes tout le heureux, vous êtes bien. Mais cependant, c'est les organes rencontrés avec ça, il y a des difficultés. Dans le passage, quand je lis dans Genèse chapitre 2, dans l'esprit texte là, lui montrer deux réflexions, deux catégories de réflexions. Les premières catégories de réflexions qu'il montrait, lui montrer l'homme qui était là son père et ça, il s'attacha à ça, et les deux deviendront une seule chair. Très bien. Première réflexion qu'il entend, les comportements spirituels. Dans la séparation, ça. Fia ou bien madame, l'était habitué avec maman, avec papa, ma grande madame, l'était habitué à maman, habitué à papa. Et puis ça fait, frère Lionel Vinil prend cet escar, et puis il retire, et puis qu'on y a là, la lacaille y a. Par contre, qui crie, par contre, qui crie, maman, ça, il doit gagner. Pleure. Pas oublier, il doit, c'est cet escar qui te compte aider, qui te compte utile, qui te compte balancer besoin. Mais c'est pendant que tu as affection qui te gagne un enfant, dans la famille, ça. Finalement, affection, ça a fini par où? Parce que fort servant non à l'éloigne, frère, l'obligé quitter. L'obligé à aller quand même. Malgré habitude, malgré peut-être toute habitude qu'il dit à maman, les mamans sorties, c'est lui qui est dans le téléphone, m'a dit comment lier, mais quand même, il est obligé quitter parce qu'il n'a pas qu'à faire ville à. Et voilà que mon chat a une habitude.
maman te gen affection, papa te remet, le te nan famille de kon manje à l'heure, le te kon nan famille de l'ouvri frise, et puis le rale le boulet, et puis yo di al kati maman pa manje maï, se ti ou ya tout soit ma manje, mais kon y a frayonel, plan cet escap kon y a la la mette la kali, le rive chaque jour se, ti ou il, se maï blanche la manje. Kou n'y a pas qu'à manger, tu viens encore. Est-ce que tu connais, est-ce que tu comprends ça, maman dit là? Est-ce qu'on t'a qui pleure, Dragon? Qui pleure? Est-ce qu'on l'a avec l'église, hein? Est-ce qu'on qui pleure, Dragon? Il n'y a pas qu'à y sale, besoin encore. Est-ce que la lunette? C'est que, en tant que pasteur, la dit là, pour quitter, et puis pour l'attacher avec ma ville, avec un autre monde, peut-être qu'elle va vivre une autre vie. Et certainement, parlant ça, qu'on a tendance des fois, de temps en temps, pour la caille famille ça, alors elle fait des cas, fait ce des cas, alors petit lit. Allo, yo. Ça existe souvent. Et c'est ça que fait, les fait appel avec ça, les foyers, ou disons famille. Très bien, ça m'a dit là, mais tout le monde entendait ça. Foyer et famille, en pile monde peut-être, alors pas qu'on aime, alors pas majorité, qu'on minorité, qu'on prend deux éléments même bagaille. C'est pas vrai. Foyer, c'est le lieu. Où vont vivre ces deux personnes? La famille, c'est l'unité d'esprit, non seulement d'esprit, mais corporel, humainement. Est-ce que tout le monde comprend ça, Mila? Foyer, c'est lui et moi qui va vivre en toi, mais famille, c'est unité que fait l'esprit corps. Il va finir par montrer les différents types de famille. Alors, on va venir faire ça seulement, on doit arriver. Il y a des familles qui sont composées de. Et puis, mon nom a vécu dans la même caille. Même s'il n'est pas petit, même s'il n'est pas de ses cousins, cousines, depuis la vie sous même toit, ça veut dire famille. Ça, c'est la première façon de définir la famille. La deuxième façon de définir la famille, comme étant les membres. Non seulement, alors, il n'y a pas dit la mère, le père. Et puis les fils, mais ils ont dit cousin, cousine. Alors cousin, cousine, ça c'est la femme. Dans le sens plus large, dans le sens général. Et troisième catégorie de famille, ils ont dit c'est papa, maman et bébé. Dans le foyer, ça c'est lui qui a composé. Famille. Et de même, regardez-moi, mon est arrivé dans le ça. Et peut-être sortir dans la vie côté de Dieu pour rentrer dans l'autre vie, ce n'est pas tout à fait bagaille qui facile. Pas oublier, préalablement, je dit, lorsque rentrer dans le mariage, c'est le temps qu'elle fait rencontre, pas toujours tout bagaille a marché bien, tu l'as ouvert, tout bagaille bien. Mais pour jouer des difficultés, le problème, les rentrer en dedans, problème, visite parents ou bien les interventions parents. Les que par exemple, ils ont fini de marier, ils ont arrivé à la caille, ils arrivé dans la famille. Et puis ça, arrivé, ça c'est dans la première phase de séparation, quitter la son père sa mère. Les arrivé, frère Yonel, ça a été attendant, c'est pas ça, ils jouent. C'est pardon. Les frères honnêtes de la Kaili, depuis maman l'a fait si bouillon dans le fer, maman le relève, ils vont goûter dans le fer. Les frères honnêtes sont en dedans, là, la cuisine, ils vont goûter. Mais le problème, c'est que après mariage, ça, bon, c'est fait, ça, pas l'habitude, ça. Ah. Est-ce qu'on comprend? Vous n'avez pas cette escapable habit?
puisque papa l'habitude là, frère Lionel pas connait pas connait manger dans petit soukou. C'est pendant manger à Paris dans petit feya et puis il prend bol là dedans, qu'on a la marché pour la lambda dans qui. On connaît gagner de bon coup. Puis madame, si madame n'a fait manger jodia, dame monsieur a déchiré jodia pour demain c'est au moins. Et bien, on aime tout. Réalité. Je dis à c'est pour vous, demain c'est pour moi. À qui fin, à qui objectif? C'est parce que non, c'est madame n'a pas gagné bénéficiant de la chaudière, mais lui-même, il voulait bénéficier de tout. Parce que selon Jean, comprend, frère, ça me connaît, monsieur, ça me connaît, c'est moi qui a mangé des potes 10 poids pour seul chita. Et parti boy, petit non, ou au bagaille. Chez vous, quand ça passe, c'est moi qui t'ai fait des jours, l'autre, des jours pour moi tout. Et puis c'est lui qui a séparé, oui. Je te dis, elle n'a même pas séparé. Donc, il y a des mecs, pour nous, toi, face de séparation, ça, pas oublier non seulement sentiment séparé par l'arrivée, les rires pas qu'à yon, et hop, tout rentrer dans sa compte pour me dire, pour me dire avec frère Lionel avec cet esclave, avec tout le monde qui a tout. Et frère Lionel, l'aile pas yon ça. Quand y a ça, elle est obligée de parler, quand y a la parole en bas, et la mec. Ah, chérie, pas de sortir, pas de comme ça, bagayoté, non? Quand y a ça, quand y a commencé par des petits bois. Petit problème. Commencez par gagner ça, les petits problèmes. Et problème n'a fini par grandir et qui prend tout nos catastrophes en dans famille, ça vient. Donc, normalement, qui ça, cet escale qui vous le répondre, elle finit par oui, mes frères, elle n'a pas de problème. Tendance, vous comprenez qui ça, fille, toujours qui vous dit, des fois. Fille, tu dis, eh bien, on va déjà même marier, même, pour qu'ils soient mariés. Vous vous contentez ça? Eh bien, il y a un tour, il y a un tour, il y a un tour. Mais, premier bagage, il y a qu'à vivre pour qu'ils soient mariés. On va déjà marier. Deuxième élément, tout autre bagage qu'on dit. Deuxième bagage, eh on va t'aller une maman. Si vous sentez au bébé, quand maman, à l'événement, à l'UN, maman. Et puis, troisième bagaille dit, eh bien, puisqu'on va bien là, soudain pour t'épier bien ta maman, et pour te là, et moi, j'ai un problème qui dans ça. Automatiquement, les filles disent trois paroles, ça y est, pas bien de ton bagaille, soudain pour bien ta maman, à l'UN, maman, soudain pour que tu vas traiter ta maman, et pour qu'ils soient pas retournés ta maman, et pour qu'ils soient ma. Et si frère Lionel répond, foyer à Gepo, ça m'a dit la bagaille connaît. Depuis frère Lionel, nous tous frère Lionel, depuis trois paroles, ça y est dit, pour que vous soyez marié, voilà. Première parole. Là, jusqu'à présent, pas dit, hein, frère Lionel, ça me fait. Eh bien, où t'es pour aucun problème? Eh bien, allez jouer une maman. Deuxième. Eh bien, l'autre est à monter sans tout bien. Tournez ou bien vous dérêter. Et puis frère Lionel même qui sentit le garçon. Et puis le baillé. Foyer la gras. Famille en bris. Bien aimé. C'est que moi montrer où. Côté petit famille, pas toutefois heureux des fois. Il y a des difficultés. En dedans. Je vais dire où. En dans samedi là, les jeunes deuxième phase, en dans, quittera son père et sa mère, qui s'aille parler de séparation géographique, à la minute que, dans le texte là, ici dans le texte là, séparation géographique, à la minute que, alors dans le temps, dans la grande famille, les deux mondes mariés, il y a toujours dit à ce que pour madame, pour vivre avec toute maman, tout papa dans la caille.
Donc chambre pour marier, chambre pour petite, chambre pour famille. Tout vivre dans le même cas. Pas de monde qui commence à dire déjà. Famille pour vivre dans le cas. Maman, petite, madame mariée. T'es une deux petites qui mariées, deux filles pour l'aider à tourner dans. Et ça existait même dans le temps. Dans mon zone Israël, Moyen-Orient, les musulmans. Ça existait. Et ça veut parler de séparation géographique. Les plus importants. Pour fille avec garçon à séparer de maison avec parents. Et si possible, par les propres avec eux. Je ne vais pas arranger tes noms. Attendez bien ça, Mboula, oui. Je ne vais pas arranger tes noms. Vous tenez frère Odel. S'il possible, par les propres avec eux, séparer, éloigner avec eux. Parce que c'est un élément d'un problème. Qui toujours gagne en dedans, foyer. En dedans, tout genre de problèmes, ça y a aucun de bagaille. Moi, je voulais montrer où, en dedans, foyer. Hein. Mais en dedans, foyer, ça, en dedans, famille. Moi, j'ai eu un passage que bien en pile l'église toujours l'île. Mais cependant, qui gagne une importance capitale, à savoir 1 Corinthiens 13. En plus, on connaît Corinthiens 13. Qui parlait de là? De l'amour. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour. On a les noms. Hein? L'amour. On n'est pas contexte à nous, j'en ai. On n'est pas contexte à nous. L'amour quoi? L'amour espère, l'amour lit, l'amour est pas. Ça c'est l'amour. Pas oublier là, si maintenant l'amour, maintenant l'amour, maintenant l'amour de Dieu en tant passage ça. C'est que en tant passage ça, moi je dis un mot qui est très très important que je vais conclure avec qui est un mot qui c'est sensibilité. Dans les amis là, qui c'est sensibilité. Depuis mon nom qui est l'amour en tant que l'idée un phénomène qui a manifesté, à savoir sensibilité. Sensibilité, alors que ça est normalement les sensibilités spirituelles, ou à juste côté Jésus-Christ. Non maintenant, alors, dans Matthieu, l'a montré l'aile fini. Il n'a pas tant de paroles, il n'a pas accepté, puisque il a agi d'une manière insensible. C'est-à-dire qu'en tant que famille, besoin de s'arrêter, mot ça qui c'est sensibilité. Voilà. Ça me parle de sensibilité. Sensibilité, c'est yon bon souffrance, l'autre là senti souffrance là en dedans tout. Est-ce que vous avez samedi là? Bon, bah, il m'a dit, je dis moi-même, je me marie, je madame, là pour ton bébé, l'enceinte. Moi-même, je sais tout, depuis que j'ai douleur, tout. Est-ce que vous avez des amis? Depuis que j'ai douleur, moi-même, j'ai douleur. J'ai douleur, tout. Nous sommes partagés ça avec mon serviteur. Et puis, le serviteur dit, il dit, serviteur, sorti là, me dit, samedi, moi-même, j'ai douleur. Depuis que j'ai douleur, moi-même, j'ai douleur, tout. Tellement tranché, tellement m'a senti, ça n'a pas de problème. Et on dit, est-ce que moi, tu fais honneur, c'est pas ça? Ou pas capable de douleur à tout. Parce que Bible a dit, les deux deviendront une seule chair. J'allais dire, si madame n'a pas de souffrance, non, moi je vais me dire souffrance, non, tout. Je vais montrer comment on dit souffrance ça. Par rapport à la serviteur, il dit, c'est une sorti là. Il dit, moi je vais écrire comme ça, oui. Je dis que ça, il habite des zones qu'on a évoquées. Et puis il dit, moi comme ça. Alors, il dit, pendant matin, moi je vais coucher. Et puis, il dit comme ça. C'est parce que monsieur a frétoui qui fait petite madame n'a pas accouché. C'est parce que monsieur a froid, monsieur a pas chaud qui fait madame n'a pas accouché. Monsieur a tellement senti douleur, souffrance, n'a pas arrêté. Et puis, il dit comme ça. C'est si monsieur a été chaud, madame n'a pas accouché, puis là. Mais il ne peut pas comprendre. Et puis tellement douleur, il sentit douleur en dedans, ça fait mal, et puis il a l'ombre calme. Il saute depuis distance là à comme vous la fuyez pour le faire chercher. Vous.
chercher ça, ça le. Est-ce qu'on comprend l'église, hein? Pour chercher ça, faut qu'on ait des bassins de beaucoup, oui. Sur deux pétages, il y a eu des navires, des dessins, on t'a poussé les bébés, hein? Pour lui chercher chaleur. Il ne servait pas de cause, ça, non? Donc, c'est que, c'est pour montrer en tant sensibilité, hein? Que madame bien-aimée, tant de bien, ça m'a dit là. S'il finit une madame n'a couché, madame n'a pas de couché, il n'a pas même menti de sa gueule, non? Il n'y a pas même demandé salguin. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est bien? Surtout, ou pas qu'on aurait le coucher souvent? Ou pas qu'il finit de coucher par elle? Ou pas demandé le salguin? Comment comprendre? Dame là, ou qu'on est fier dans le cas malade, il y a un problème, et puis son faute est pour aller régler les affaires, et pour aller régler le temps, parce que c'est mon bagage urgent. Mon carité. Côté de celle chère, à côté. Ou carité bien aimé. C'est normal, et moi, tout simplement, en deux phénomènes, ça. Pendant le malade là, ma besoin de présence ou seulement qu'à guérir. Ah, il y a quelqu'un qui va d'accord ça, hein? Présence ou chita, ou elle ou seulement qu'à guérir. Et pendant qu'il était fait mal là, quand il y a un bon service, il était comme vous voyez, une belle petite parole, il était fait mal là, qu'à couper automatiquement. Commencez par rétilio encore. Et c'est ça. En tant sensibilité, pas oublier tout au jeune ni malade féodel, ou pas qu'à venir honnête paraître, rentrer, et puis comment il est là, et puis rentrer au chita ou à sous table pour découvrir, ou à manger, ou à l'anchovia. Non. Côte madame là. Côte madame, madame n'a couché, ou pas prendre sale gagné, ou pas monter sur la bande pour prendre sale gagné pour y a. Lui jouait madame, là, par exemple, madame, là, elle vient. Ça m'a dit qu'elle connaît la pratique que je connais. Ça m'a dit qu'elle aime des pratiques là, alors pas pratique. Pas pratique, c'est peut-être ça me vive. Ça me vive. Ça me vive. Où vini? Où jeune madame n'a lavé? Madame n'a fait manger? Madame n'a a passé? Et pour venir sur vous-même qui chita, dans les télévisions, ou les télévisions, et pour chita en face de télévision, clair pour le match. Wow! Brésil de zéro. Oh, mais Haïti perd oui, ça zéro. Et puis, où est Messia? Des fois, il y a Messia qui est dans la même feuilleton. Où est Messia? Vini pour nous garder les feuilletons, pour nous garder les bagages ici. Et puis, madame, non, même la fait manger, la laver, la passer. Il y a des garçons qui ne sont pas bon passer. Bon, madame, oui. Qui parle un pour nous passer, et puis depuis le parrain, il souffle si bouki, qu'on y a la chat, qu'on y a sur la tisabi, et puis madame n'a passé, madame n'a quitte manger, madame n'a pas là. Madame n'a qu'un bébé. C'est pendant madame n'a pas lavé, et puis moi-même dans la rue, bon lève, vini, vini, madame n'a pas madame n'a pas lavé, non, laisse tel fait noir. C'est normal pour me dire, chérie, laisse parler pour notre loi, non? Lève notre loi, ou faire lever. C'est où, 40 ans, pour finir ce radio, finir ce radio, frère Odel. Vous avez ça, là, frère Odel? Ah, ben la gueule, frère Odel, pas pareil pour nous. Ah, frère Odel, ce qui est tel, pas galaxie. Vous venez, une seule biscuit à laver. Sorti dans le là le font reposer tout. Ou même ou entrer dans qui va être râlé, ou mettre dans ou chita ou râler qui va tout, ou râler ou qui tout, et vous commencez par là. Allez. Ou laver. Eu acho que tem brasileiro como nós também nesta noite. E a pregação, eu estou pregando, eu acho que vocês não vão entender tudo o que vou fazer, vou dizer, só vou dizer alguma palavra na idioma brasileira para poder entender. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Estamos falando
como a mulher e o homem têm que viver, têm que, quando chegando lá na casa, ter uma maneira para viver, uma maneira onde vão lá. O homem não tem que deixar a mulher fazer tudo na casa. Quando a mulher está cozinhando, o homem tem que ajudar para ela. Amém? Quando a mulher está fazendo uma coisa, por exemplo, e o homem chegando e fica à frente uma televisão, não faz nada. Fica tranquilo, sem fazer nada. E a mulher está trabalhando tudo, muito. Não, isso não. A Bíblia não concorda com isso. Tem que ajudar, porque diz a palavra de Deus, a mulher é como um auxiliar, como um ajuda de vocês. Amém, igreja? Donc, c'est que il aimait pour me tourner parce que je ne sais pas si je vais vous comprendre tout. Mais je vais vous créer un lien, vous comprenez l'église, hein? Je vais garder la boutique. C'est que certainement l'église, ou vient nous jeûner ça, ou prend la Dieu pour la vie. Bon, nous ne sommes pas là qui encore bien aimé. Si dame là, la fille, la Dieu, on joue samedi pendant pas de travail, ou qu'avec nous, la Dieu, parce que vous avez. Vous avez samedi là? Ou qu'à passer, faut qu'on passe, faut qu'on aide, ça c'est sensibilité. Et en tant que sensibilité, moi j'ai un concept qui est les préoccupations. C'est qu'à la minute que je suis sensible pour madame là, m'a préoccupé de. Vous avez ça, Mdia? En tant que famille, je travaille des sensibilités. Est-ce que c'est celle dame là qui est sensible? Est-ce que c'est celle monsieur qui est sensible pour madame là? Non. Faut que monsieur a tout sensible, faut que madame l'entoure les sensibles pour mes. Pas qu'à sensible pour lui. Hein? Ou pas qu'à sensible. Ou pas qu'à seulement ou elle sensible pour lui, moi m'aurait. Et si ça fait des fois, l'aile pas fait vice versa, l'une entre l'autre, des fois qu'on a des problèmes, qu'on gagne, qu'on n'est pas l'empile. Vous avez ça là? Qu'on n'est pas l'empile. Pendant ce frère de la travail. Ça étonnant pas qu'il t'avait une bonheur et puis dans le dimanche t'as vu l'église l'elle venait c'est lui pour aller en bas dans sa tête tu es dans la cabane qui a cherché une chaussette à gauche à droite une chaussette à droite qu'on a cherché sous vêtements et cet escargot au père ouais tel slip blanc moins dans dimanche matin c'est là la chercher et puis son qu'on est devant madame la répond montez comme qu'un bel beau bien ou pas qu'on est fort de tout en depuis dans ce maintenant et on nous m'a gagné. Quel que soit ta mariée qui n'est pas d'accord pour l'obéir à Marie, lui péché contre la Bible. Vous avez ça en dit là? Quel que soit ta qui est en mariée, déjà en parlant de tout ta mariée. Depuis Marie ou pas obéir à elle, et c'est à fait dans l'expression théologique, il dit, il va définir en tant qu'il était sa mère et son père, il va dire que. Alors, dans nos solitudes chinoises là, où elle prend montre que je prends l'homme, non, je prends femme en dans l'homme. C'est parce que je dis son aide. Et dans l'expression théologique, je dis, il ne prend pas la tête, il ne prend ni dans le pied, mais il prend le bord. L'expression théologique signifie que l'homme, c'est-à-dire que femme, non, il n'est pas seul chef et aimé. Alors, femme, non, pas maîtresse, on dit ça. Femme, non, pas maîtresse, il n'est pas seul monde qui a la voix au chapitre. Ça veut dire qu'il n'est pas qu'à dominer sous. Sous l'homme, non. C'est ça qui fait, il n'y a pas pris l'an. Il n'y a pas pris l'an pied, c'est pour ne pas considérer dame comme une seconde personne. C'est-à-dire comme une chose. Pour ne pas marcher piétiné, c'est ça qui fait, il n'y a pas pris l'an pied. Mais il prend bon compte, ça symbolise comme une aide, comme un monde qui a marché côte à côte, comme une aide. À la minute que la condition, il faudrait bien lui consulter ma. C'est honnête, on va pas le fond, on va le regarder au Brésil pour cet état à donner. Cet état, on va le voir encore par maman Haïti pour frère Lionel Macron. On fait le cachet. Et que madame qui compte deux canets. Parce qu'elle sont si pour famille, si Maria compte la famille, il y a des problèmes. Et ça fait deux
planification pour faire. M'a voyé tant d'aille famille, chérie, m'a voyé tant d'aille madame. Des fois, tu connais madame qui tellement qui est défaut. Je connais chérie, tout ça voyé by mamie. Et c'est eux qui nous permettent ça, oui. Nous permettent de laisser tomber. Mais ça va mentir, mais ça va quitter le qu'on est. Parce que notre temps. Guidez-moi. Oh, je dis merci. Parce que yo toi, yo m'a dit, mon vieux, yo toi, je me crois. Donc, c'est que mille, les bras le voyaient. Et puis, dit, tout ça, vous voyez, mon ami, nous avons 50, nous avons 100. Mon voyez, 200. Les filles changent la belle, mille. Quand on calcule. Quand on calcule. En plus, famille qui a problème ça. En plus, foyer écrasé dans le domaine ça. Son gros problème qui existe. Gros problème qui existe. Maman, tout dit ça. Madame, ou pas mettre monsieur, c'est monsieur qui sous tête. Vous entendez? Je dis ça, Bible a dit que j'ai une décision, monsieur, qui a pris la foi par lui. S'il dit non, si Marie a dit non, puisque mon Dieu a l'autorité de Dieu sur tête, ça ne doit pas avoir un bravo. Mais ça me dit là, on a considéré la valeur de l'homme en tant que famille. Vous me connaissez, si madame, moi, pas là, je me sens moins confiant. Si Marie n'est pas là, je me sens moins cueillant. Que madame, les monsieur n'est pas là, je suis content. Je connais que deux jours, mon monsieur, un garçon qui me connaît. Ma prend pas reconnaître Chirou, je reconnais seulement Fia. Fia, c'est un Dominicain à Paris. Le monsieur, dame là, a travaillé, dame là, fait corps. Il va rien faire, rien dans le cas de dame là. Il montre pas qu'on a une fille qui a fait tout le bagage. Tandis que quand ma dame là sortie, je vois comment les 20 monsieur m'appellent, montrer chaudière de dame là. Et bien, il m'a passé ici dans le cuisine. Moi, je suis où qui passe ici. Et puis, bonjour, Marie, madame, nous tournons dans la caille là. Les dans la caille là, je viens de monsieur, sous chaudière, après de manger. Ici, là, où est-ce que monsieur, après de manger. Monsieur, pendant. Tandis que, ah, moi, manger ça, va faire là. Il va écouter en plus, les filles, après ça, l'arrivée, c'est aujourd'hui, madame, la télé. Actuellement, là, deux mondes, ça, on ne sait pas. On connaît monsieur, garçon, on connaît fille, on l'a dominé. Ce qui m'a considéré une comme chose, si madame n'a pas la forme sentie bon vide. Je n'ai pas témoigné ça, mon fils là, pour me donner des mots, mon fils. Moi, j'ai un couple qui me connaît. Un couple qui me connaît. Je vais toujours partager ça avec des bien-aimés. Si madame n'a pas là, par exemple, si monsieur, madame n'a par exemple, aller en province, joue. Madame a vini, monsieur a pas mangé. Non seulement pas mangé, depuis le bas de travail, même si la travail est venu, la campé dans la rue pour jusqu'à ce que madame a vini en bas. Et si ce n'est pas madame qui veut manger, la bouche n'est pas mangée. Eh bien, moi, tout le monde est vivant, je partage avec vous. Si ce n'est pas madame qui veut manger, la bouche n'est pas mangée. Son plaisir, moi, je garde moi, gros portrait, garçon, ça, chita, et puis maman, j'ai en face, il ne peut pas prendre la dent. Et puis, jusqu'à ce que madame n'a venu. Si madame n'a dit, un tel, mon petit bagay, non. Et puis, les frontières, faut le bon qui est. Et puis, il te pose qui est encore. Après ça, madame n'a venu, allez chez les chita face à pas. Et puis, mettez-moi dans le bout de bébé. Et mandez ça pour nous. Celui qui a fait ça, on m'a fait. Vous donnez ça, on dit, c'est esclave. Amen, il dit, amen. Si vous avez fait ça, mais mangez dans la bouche. Parce que l'habitude ou pas Marie, il est difficile pour lui venir dans la fidèle. Amen. Tout ça comme un secret. Pendant la mettre Rata en dedans, même si Rata est bien rangé sur lui, fais comme si vous n'avez pas bien rangé, rangez le bon. Si vous êtes là, t'es bien rangé, font-il déranger, lui rangez encore.
Je te dis que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu accompagne nous, que le Dieu.